Bien, mesdames et messieurs, je suis ici à Roissy-Charles de Gaulle. Et nous sommes, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, en discussion avec les autorités espagnoles et catalanes pour que celles-ci, et c'est le cas, veillent à ce que, dans l'autre sens, les flux en provenance d'Espagne en direction de la France soient les plus limités possibles. Pour Roissy-Charles de Gaulle, ça va représenter, selon nos estimations, un flux de l'ordre de 3000 personnes testées par jour. Et il a donc fallu qu'avec le concours de l'assistante publique hôpitaux de Paris, nous adaptions les moyens pour atteindre cet objectif, ce qui, je vous le disais, sera fait très rapidement.